RCF. Gloire à Dieu, amis qui écoutez RCF. L'Évangile selon saint Luc au chapitre 11 rapporte les paroles d'une femme qui s'adresse à Jésus et dit « Heureuse la mère qui t'a porté en elle ». La direction de Radio RCF Drôme-Ardèche a jugé bon de transmettre à ses auditeurs la voix de chrétiens venus d'Orient. C'est pourquoi je vous propose un passage de saint Éphrem. Ce chrétien du 4e siècle est également père et docteur de l'Église. Ses écrits ont largement inspiré la liturgie des églises en Orient. Voici un hymne qui montre l'admiration des premiers chrétiens pour Marie. Venez, sages, admirons la Vierge Mère, la fille de David, cette fleur de beauté qui a enfanté la merveille. Admirons la source d'où jaillit la fontaine, le navire tout chargé de joie qui nous apporte le message venu du Père. Dans son sein très pur, elle a reçu et porté ce grand Dieu qui gouverne la création. Venez, admirons la Vierge toute pure, merveilleuse en elle-même. Seule parmi les créatures, elle a enfanté sans avoir connu d'homme. Son âme était pleine d'admiration, et chaque jour, elle glorifiait Dieu dans la joie pour ses dons. Oui, béni soit celui qui est né d'elle. Vénérer Marie est une pratique qui a commencé dès la visitation d'Élisabeth et qui se poursuit encore aujourd'hui. Mais pourquoi les catholiques célèbrent-ils l'Immaculée Conception? Sans doute, parce que le pape Sixte IV l'a décidé ainsi dès l'an 1477. Beaucoup plus tard, les apparitions de la Vierge Marie à Catherine Labouré puis à Bernadette Soubirous ont confirmé cette décision. Les catholiques célèbrent la pureté de Marie. Là où le monde cherche de l'air pur pour bien respirer, le chrétien va encore plus loin dans sa quête. Évidemment que nous avons besoin d'un bien-être matériel, mais cela ne suffit pas. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, Matthieu 5, verset 8. Avoir le cœur pur, c'est exclure les pensées et les désirs mauvais. Fêter l'Immaculée Conception, c'est fêter la pureté de Marie. Fêter la pureté de Marie, c'est se rappeler qu'un chrétien a besoin de veiller sur la pureté de son cœur.